Alors, petite vidéo balle, j'ai reçu aujourd'hui la participation de Cathy. Voilà, donc pareil, toujours pour le défi du mois d'août. Alors, j'ai juste ouvert à ce niveau-là l'enveloppe parce que j'ai vu que ça avait l'air très très grand. Donc, je ne voulais pas arracher. Alors, découvrons ce qu'elle m'a fait. Ah. Alors, le papier à bulle n'est pas parti. Hop. Voyons voir. Ouh là là, il y a plein de choses. Hop. Il m'a mis des petites surprises. Oh, super, les petites surprises. Waouh. Alors, elle m'a mis des demi-sphères colorées. Et je suis sur ma terrasse, hein, c'est pour ça. Ça brille, on est au soleil. Superbe. J'en avais pas en plus. Je devais en commander. Merci Cathy. Ah, alors ça, c'est son tag sur le thème des vacances. On a un petit ruban jaune avec les petits pompons. Elle a mis les embellissements en bois comme il fallait. Elle a mis le mot vacances. Un appareil photo, glace, ananas, une petite étoile. Il est super chouette. Super, super. Cathy Scrap. Voilà, c'est la participation de Cathy. Alors, il y a son petit mot. Oh là, il y en a plein. Alors, je vais le laisser là. Une memory dex sur le thème des vacances. Super sympa. Avec une paire de tongs, un palmier, un bus, moment memory summertime. Ah oui, trop. Ça, c'est du papier crépon rose. Super joli. Alors, derrière, il y a toutes ses coordonnées. Date de naissance. Tu aimes les couleurs pastel, les cactus, les animaux, la période de Noël. Ah ouais, moi aussi, je suis trop fan. Je suis trop fan. J'ai hâte de vous faire découvrir le défi du mois de décembre. Vous allez voir, ça va être d'enfer. Donc ça, la memory dex. La petite carte. Lui me fait très plaisir. C'est pas grave, moi non plus, je suis pas une spécialiste des tags, mais bon, on sort de sa zone de confort. Merci beaucoup pour tes petites bricoles. C'est super gentil, merci beaucoup. Alors, je vous présente la petite carte de Cathy, toujours sur le thème des vacances, avec des glaces, un petit mot, un embellissement en bois, avec des taches d'encre. Super joli. Ça, c'est un chipboard en mousse. Super, super joli. Elle est super jolie, ta carte. Ensuite, elle m'a envoyé une ATC ronde avec le mot amitié, un papillon, une petite fleur en tissu. Super joli. C'est très pastel, très rose. Superbe. Une petite perle en guise de cœur de fleur. Super. C'est la 1 sur 4, le thème de l'amitié. Elle est très jolie. Je lirai le reste après. J'aime bien lire en aparté. Et elle m'a envoyé tout un petit sachet avec des tampons et des découpes. Alors, je ne vais pas les sortir tout de suite. Je vais regarder vite fait parce que j'ai vu qu'il y avait un flamant rose. Je vais pas tout sortir parce que j'ai un peu de vent chez moi encore. Il fait très beau, très chaud, mais alors avec du vent. Et j'ai peur que ça s'envole. Ah, on a un flamant rose, on a des feuilles. Je vous montre vite fait. Je sais, on voit pas trop, mais si je sors tout, tout va s'envoler. Hop, je vais essayer d'en sortir quelques-uns. Une petite pin-up.
un petit mot love. Ah, c'est bien pour l'écrire ça. Quand tu sais pas quoi mettre, tu as toujours un petit tampon qui fait que ça passe. Le mot dream. J'ai pas trop le retour. Oh là, ça y est, j'ai le vent qui se lève. Une plante. J'en ai plein. Elle m'a fait des tamponnages. Tout plein, tout plein, tout plein. Membre permanent du club des pipelettes. Trop. C'est trop moi ça en fait. Enfin voilà. Et des découpes, on a des feuilles, des papillons, des oiseaux, des mots comme love. Je l'ai trouvé celui-là. Super gentil. Je vous mettrai plus en détail, la photo plus en détail en fait à la suite de la vidéo. Comme ça, vous verrez tout ce qu'elle m'a envoyé. Merci beaucoup Cathy, c'est super gentil. J'en demandais pas autant. Mais je prends, il n'y a pas de souci. C'est très gentil. De toute manière, je rappelle que chaque participante recevra quand même une petite enveloppe avec, avec une petite carte de remerciement pour avoir participé au défi. Donc vous ne serez pas sans quelque chose. Voilà. Quand même, vous avez pris le temps de le faire. Il est normal que moi je prenne le temps de faire une petite carte de remerciement. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Salut, salut!